Salut à tous, c'est Alex le serveur. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau let's play sur ma chaîne, c'est Snowtopia. Le jeu vient tout juste de sortir aujourd'hui. Nous sommes le 26 janvier 2021. Waouh, 2021, c'est énorme. C'est énormissime. Enfin bref, on est un petit peu entre le couvre-feu et le confinement, on sait pas trop. Moi, je vous emmène en vacances, là, carrément, dans les stations de ski. Avec Snowtopia, l'objectif est donc de construire une station de ski avec des skieurs pour les rendre heureux, tout ça, et ça va être formidable. Apparemment, l'aspect financier est volontairement un peu en recul pour, en fait, privilégier le côté qualitatif, le côté on kiffe. Et bien, écoutez, on va voir si on kiffe ensemble. Donc, comme je le rappelle, le jeu est en accès anticipé. Donc, c'est pas sa forme finale. Il y aura plein d'ajouts qui vont arriver, mais moi, je veux bien découvrir ça. Alors, le mont Alpha, c'est le plus facile, on va commencer. Donc il y a déjà cette map, ok. On voit les critères. Bon, on va apprendre avec le mont Alpha. It's in English, but ça va aller. Allez, donc il y aura des nouvelles choses qui vont être ajoutées petit à petit. Hein. Donc là on va voir les trucs de base, il y aura des bâtiments en plus, etc. Alors, qu'est-ce que vous faites ici au milieu de nulle part? Est-ce que vous êtes perdu? Il n'y a rien que de la neige ici. Moi, ce que je fais ici? Eh ben, j'aime bien commencer ma journée avec a nice breaking walk in the icy air. Donc, bracing, pas breaking. Avec une jolie petite balade agréable, du coup, dans l'air frais et vivifiant des montagnes. Ah, alors vous voulez construire la station de ski de vos rêves? Bah, dans ce cas, vous êtes venu à l'endroit idéal. Alors, pour commencer, on va commencer par étudier, du coup, le relief de la montagne. Bon, ça va être le tuto. Oula, ah oui, ça bouge vite. Oula, doucement. Le zoom avec la molette, évidemment. Attends, option. Déjà, ça m'éclate. Contrôle, doucement. Contrôle, Y a pas la sensibilité. Ah, language. French. Oh, on peut passer le jeu en French. Mais c'est pratique, ça. Apply. Revenir au menu. Reprendre. Parfait. Déjà, voilà. Déjà, ça, on a résolu le problème. Ok, alors. Ouais, alors la caméra. Ouais, ah oui, d'accord, c'est grand. Je suis perdu. Rotation. Ouvrir LED. On est sur une grande map quand même. Touk. Voilà, parfait. Enfin, disons surtout que c'est un bon début. Ok, on valide, hein, on va aller vite. Contrôle de la caméra, blablabla. Si on est perdu, on reviendra. Ensuite. Bah, la suite du tuto. Hein? Il me dit pas. Bon, bah ok. Tracer des pistes. Ok. Commencez par faire ça. Il est pas sympa ce tuto. Je l'ai validé et il me dit pas la suite. Bon. Piste étroite, piste moyenne, piste large. Ah, moi j'y connais rien du tout au ski. Je suis pas du tout skieur, donc. La piste qui est sinuée parmi les obstacles. Une largeur avec un entre-deux appréciable. Faites place au boulevard des pistes. Une piste moyenne. Alors. Ah oui, le tuto qui s'est arrêté, il s'est mis en mode vraiment. J'imagine qu'il faut partir d'en haut hein, pour une piste. Hein. Tiens, on va partir de là. Faire un petit truc agréable. Alors, faut que je la définisse comment? Comme ça. Voilà, d'accord, je fais des petits. Oula, je suis dans le rouge là. Mon avis, c'est que ça doit descendre beaucoup. Ah, c'est pas une piste verte, hein. Ah, est-ce qu'il faut que je la relie, du coup? Bâtiment en attente de bâtisseur. Ok. Peut-être une loge de bâtisseur, du coup, avant. Alors, je peux la mettre dans le... dans le rayon là, en fait. Ok. Installation fermée. Pourquoi c'est fermé? Faut l'ouvrir. Ouvert. Pas de volontaire affecté. Bon, déjà, on peut noter que le tutoriel, il est perfectible. Je suis complètement paumé.
Je l'ai pas désactivé pourtant. Touloulou. Ça se trouve, il est pas en français le tutoriel. Actuel tutoriel, oui. Bah voilà. Bon. Ah voilà. Alors, une fois que vous avez une loge de bâtisseur fonctionnelle, vous pourrez construire le reste du domaine. Placer le domaine à portée de proximité du domaine skiable. C'est fait. Mais je te l'ai déjà fait, tu vois. Pourquoi t'es réapparu d'un coup? Ah, fallait juste mettre sur play en fait, d'accord. Tu vois, je l'ai fait ça. Attribuer des volontaires, comment je fais ça? Les volontaires. Boucle de navigation, loge de bâtisseur. Les bâtisseurs ont une autonomie. Il doit être connecté au reste du domaine skiable, orienté à l'aide de la souris. Bon, j'aurais pu le mettre un peu plus dedans en fait. Hein. Alors, les embauches, ça se passe où? Ah voilà, des volontaires. Tout est prêt pour lancer le premier chantier de construction. Très bien! Oh, moi je vois en avance, tu vois. Voilà, j'ai mis des volontaires. Un téléski, une piste suffiront à mon bonheur. Voilà. Ok. Alors, il faut que je mette un téléski maintenant. Alors, est-ce que comme ça, ça va ou... Non, on va le mettre un peu à côté. Construire en descente, remontée trop longue. Ah, j'ai peut-être été trop optimiste. La remontée est bloquée par quoi? Oula! Ma première piste n'est pas du tout fonctionnelle. Salut, John Abraham! Une deuxième. Ah, mais si je veux en remettre une, tu vois, qui partirait d'ici pour aller là-bas. En descente, mais il est pas en descente ton truc. Qu'est-ce que tu racontes? Ah! Je vais y arriver. Voilà. Et comme ça, je mettrai une autre plus petite piste. Hein? Construire une remontée, construire une piste. Ok, alors peut-être que j'envoie du coup mes... Non, mes bâtisseurs. Construction d'un bâtiment. Après avoir sélectionné le bâtiment de choix dans votre menu, placé d'un clic, blablabla. Il doit être connecté au reste du bâtiment, d'accord. Placer les bâtisseurs à proximité des futurs chantiers pour réduire les trucs. Ah oui, d'accord, donc là il y a un souci de... Non. J'ai mis des bâtisseurs pourtant. Ah non, d'accord, ils sont en train de faire le reste. D'accord, ils sont en train de construire ça. Ils ont fait ma piste. Elle est faite. Comme vous le voyez. Mais elle est fermée. Pourquoi elle est fermée? C'est en cours de construction, c'est ça? C'est ce que indique ce mur jaune qui monte. Alors on les voit pas les bâtisseurs, j'ai l'impression. Mais je les entends. Ah oui, on voit là, ça va être terminé du coup presque. Tac, voilà. Ok. Installation fermée. Donc. Ah oui, il faut que je revienne dans les... Alors, c'était où déjà? Les volontaires. Alors, service, recherche, station. Maintenance, remontée. Volontaire, voilà. Difficulté ressentie. Verte. Ah bah non, c'est du vert, comme vous voyez. Ouais. Il y a de l'argent nulle part. C'est original. Ah, mais il m'en faut une sur ma deuxième.
Bien sûr. Je voudrais faire une mini-piste ici, en fait, hein. Ça va être trop petit, quand même, partant de là. C'est un peu triste. Donc, moralité, pour la prochaine fois, je le saurai. Fais d'abord ta remontée avant de faire ta piste. Hein, c'est quand même plus simple. Je vais accélérer un petit peu. Voilà. Il faut qu'on ait un autre volontaire. Buvette d'altitude. On veut des skieurs. Alors là, ça veut dire quoi ça? Pourquoi fermer? Why? Why is it? Why is it fermé? Alors, peut-être que j'aurais dû effectivement relier à ceci. Bon, attends. Non, détruis tout. On va refaire, on va refaire. Voilà. Partons d'ici. Alors, j'essaie de rester dans le vert. Enfin, dans le bleu ou le vert. On aime ça, les slaloms dans le ski, non hein? On fait un truc, tu vois, qui tourniboule. Oula, la fin va être un peu... Ah, attends, j'aime pas là. Oh, bien. Voilà. Donc là, je pense que ce sera mieux, déjà. On sera relié, du coup, au terrain. Et ça devrait fonctionner. Je t'accélère. Alors, tiens, ma boutique. Moi, je veux voir mes petits skieurs, ils sont trop mignons. Voilà. Accueillir vos premiers skieurs. Et bah là, ils arrivent, vous voyez, c'est validé. Sélectionner un skieur. Je veux bien. Mais je les vois pas. Alors. Où est-ce qu'ils sont mes loulous? Oh, ils sont pas déjà en haut. Hein. Ah bon, là, ils sont là. Oh, il y a du monde. J'y crois pas, les premiers skieurs sont arrivés dans la station. Ils font la queue. Il y en a qui sont très mauvais. Venez skier, on va s'amuser. Avoir des pistes adaptées au niveau, c'est trop demandé. Ah. Alors, les skieurs vont se trouver du challenge, des pistes de leur niveau, mais pas trop difficiles non plus. Alors, comment on sait? Tout ce que je sais, c'est qu'il y a différents styles de pistes, hein, comme d'hab. Cibler la caméra sur le skieur. Afficher son historique. Ça, voilà. Construire une piste bleue et une piste verte. Ah, donc bleu ça va être au-dessus de la verte, ça va être un peu plus compliqué. Ah, une verte je peux la mettre là, du coup, hein. On va tenter de faire une verte. Ouh, mais ça descend dru là. Ah, c'est piste rouge, même, carrément. Noir même. Comment je fais pour faire une verte là? Ah ouais, j'ai peut-être pas choisi l'endroit le plus... Hein? Je suis pas en montée là. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas en montée. Je suis pas en montée. Ça monte pas.
Non, ça monte pas tant que ça. Ça descend. Voilà. Alors, on va essayer de faire du vert. Oh, purée. Ouais. Dès que ça va incliner trop, on va, voilà, on va tomber sur du rouge. Ça va pas être simple. J'ai pas du truc pour niveler. Non, malheureusement. Évidemment. Ce serait trop facile. Moi, je vais faire une autre montée, hein. Non, regarde là, c'est tout chousse. Ah bah là c'est vert, c'est sûr que c'est vert. Ça c'est bleu là, comme ça, bah dis donc. Ah oui, vert c'est vraiment, c'est plat quoi. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec vous, dites donc. Bon. Si je t'en mets un ici. Alors, piste moyenne verte. Allez. On va y arriver. Regarde comme c'est vert. Oh là là, c'est vert. C'est même blanc tellement c'est vert. On va être bien là. Ça va, on se marre? Premier flocon. Niveau de ski, bah lui il est débutant donc il veut du vert. Et il ose pas monter du coup. Ils sont tout perdus les petits verts là. Alors oui, téléski du coup. Ça c'est bizarre qu'il faille activer du coup les... Enfin vu que je paye pas de salaire, on s'en fout qu'il y ait des volontaires ou pas. Autant les mettre de base. Putain, celui-là il est fou là. Faudrait que je mette une seconde piste ici en fait. Hein. C'est vrai qu'ici il considère que c'est de monter. Je sais pas où il a vu ça. Voilà. Ça, s'il y a des gens qui veulent pas aller jusque tout en haut, pouf, ils partent d'ici. Eh, malin! Allez, dis-moi que c'est vert quand tu l'auras fini. Ne vous réjouissez pas trop, c'est votre première victoire, mais peut-être aussi la dernière. Oh là là. Tu me fous la pression. Les buvettes d'altitude sont parfois un peu rustiques, mais c'est encore le meilleur moyen de se reposer. J'ai déjà fait, tu vois. J'ai déjà mis une buvette. Je vais t'en remettre une même. Avec des pisteurs, des dameuses et des mécaniciens, je me sentirais beaucoup plus en sécurité. Voilà, petite buvette là. Je pourrais en mettre une ici. Hein. Alors, une cabane de pisteurs. C'est quoi un pisteur? Je sais pas ce que c'est. Vous savez ce que c'est vous qu'un pisteur là? Allez, c'est les premiers secours, d'accord. Je peux les mettre là comme ça, hein. Pas besoin de. Voilà, pisteur. Mécanicien. Ah bah oui, on va avoir besoin. Alors attends, je vois des chiffres quand même. Attrait et sécurité, donc ok, oui, vraiment pas de.
Alors, le placement en mode freestyle comme ça, je suis pas forcément très fan. Et moi, je préfère, tu vois, voilà, hop, là. Tac. Là, là, je suis tranquille, là, j'aime bien. Il y a des routes, quoi, enfin voilà, j'aime bien cette façon de faire. Des mécanos, oui, on aura forcément besoin. Bah voilà, tous les petits verts, ils pourront y aller. Il y a même des gens qui font de la piste bleue là-bas. Donc ça, c'est bien, du coup, les skieurs, en fonction de leur profil, ils ont une couleur. Ça, c'est super. Donc il est plus rapide, en plus, le rouge, là. Ça, c'est très bien. Peut-être une piste rouge, du coup. Enfin, une piste étroite. L'étroite piste rouge. Avec un petit bout de noir, en plus, là. Après, c'est trop facile. Ouais, ça va pas, là. Ah, c'est pas évident parce que oui, effectivement, après on peut plus monter quoi. Comment je fais dans ce cas-là? Si je veux... Ah, c'est pas... J'avais pas pensé à ça. Mais oui, c'est con, c'est tout con. Je peux pas aller par là, ça a pas de sens. Et de toute façon, là c'est cursed, hein. Je peux pas faire ça. Voilà. Donc du coup... Ah, les lois de la gravité, hein, c'est pas si facile. Après, ça a aucun intérêt du coup, toute la, t'as toutes les baraques qui gênent. Non, t'as un seul choix, c'est aller là-haut ou aller plus haut. Ah oui, pardon. Alors attendez, non, ils sont encore en train de construire, donc c'est bon, je peux. Ce qui entend de soins. Merde, il y en a plein qui sont blessés. Ils sont en train de mourir. Partout. Et mais ils s'en foutent, ils roulent dessus. Ouais, en partant de plus haut, John Avran, ouais, mais je vais partir pas de plus haut du coup. Mais en partant de là, quoi, surtout. En partant d'ailleurs. C'est quoi le deuxième téléski? Télésiège fixe deux places. Ah d'accord. Une place. Deux places. Alors par contre, il faut une inclinaison trop forte. Est-ce que l'autre, il peut subir une meilleure inclinaison? J'ai vu un endroit où c'est des... Voilà. Volontaire, voilà. Ok, et du coup là, si je veux, voilà. Ouh, c'est même du noir là, tellement c'est. Mais après, on va atterrir dans la piste verte. On va peut-être les faire partir de l'autre côté du coup. C'est un peu dangereux là, non? Avec les cailloux. Mais à la fin, t'es obligé d'avoir un petit plateau en termes de niveau. Hop.
Ah mais là, je suis déjà quasiment tout en bas, donc forcément il y aura plus de rouge. Ils vont se faire chier sur la moitié du truc, donc ça va pas aller. Ça va pas aller. Limite, attends, non. Pouf, détruire. Peut-être le mettre de l'autre côté. Hein? Je vais tester, je vais tester. On sait jamais. Je serais peut-être plus inspiré. Ah mais là j'ai une remontée. Oh, fais chier. Ah, je suis coincé. Il y a bien moyen pour aplanir quand même, ça c'est quoi? Affiche-moi tout. Il faudrait que je puisse aplanir. Laboratoire de recherche, il fait quoi? Moi je veux voir, je veux des nouveaux bâtiments, des nouveaux trucs, des nouvelles idées. Pouf, allez, zou. Alors oui, alors oui. Alors par contre, faut que j'embauche des gens, bien sûr. Parce que c'est bien beau de... Ah. Ah d'accord, j'ai un nombre limité de volontaires en fait. D'accord, c'est ça le délire. J'ai fait liste de tous les accidents qui peuvent se produire dans une station de ski. Avec des dameuses, des pisteurs et des mécaniciens, nous sommes passés de 3602 causes possibles à 2933. Super. Ah oui, 10 sur 10. On doit se renseigner sur les dernières technologies. Comment je fais pour augmenter ça? Ah, il faut rendre des gens heureux. Pas mal ça. Ah, c'est bien foutu. Bon du coup, ouais, je vais repartir sur ma piste, alors pas large du coup, étroite. Et tant pis, hein, du coup ils auront du rouge et puis du vert à la fin pour finir. Ah bah je vois pas faire autrement. Qu'est-ce que j'ai de mini piste verte là? Non, ici c'est bleu en plus. Oh zé, là je deviens fou, c'est des petits chemins partout dans tous les sens, c'est trop mignon. Je sais pas si c'est efficace mais ça me plaît en tout cas. Sur 11, tiens, j'ai un volontaire de plus. Da 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 da. Ba 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 ba. Voilà. Non mais soignez les gens là. On va y voir un pisteur qui vient l'aider. Non, toujours pas. Les gens ils passent, ils s'en foutent complètement. Bon, il doit avoir une couleur spécifique les pisteurs. Les voit où? C'est dans quelle liste? Pam 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 pam. Non, ah, bah je l'ai pas vu passer.
Ah non, il est toujours là. Je me demande s'ils peuvent se tamponner mutuellement. Putain, mais il est décédé là, le mec, depuis le temps. Bon, on gagne en skieur en tout cas. 48, c'est bien. Ah bah, bon, bah il était soigné. Tant mieux. Vous finissez ce bâtiment ou quoi là? On puisse débloquer des bâtiments, tout ça. Voilà. Volontaire. Pas de recherche en cours. Déjà, ce serait bien d'avoir un bouton pour relier à la recherche, là. Bon, faut que je passe ici. Modèle de perche allégée. Augmentation des téléskis. Pince gravitaire. Inclinaison maximum des téléskis. C'est pas mal, ça. Roster anti-choc, énergie des téléskis. Bon, ça, c'est tout ce qui est monté, en fait. Ok. Maintenance. Vitesse de déplacement. Barre à soupe. Petit refuge. C'est bien, barre à soupe. J'ai envie de soupe. Oh, il y a du monde. Ah ouais. Ils attendent quoi les bleus là? Ah, c'est en travaux du coup, ils peuvent pas... Oui. D'accord, il y a un morceau de la piste qui est en travaux, du coup ils peuvent pas avancer, c'est ça? Bah si, pourtant. Vous voulez celle-ci, peut-être? Elle est bleue aussi, celle-là. Peut-être améliorer la vitesse des téléskis du coup, hein, ça fera moins de queue. Mais celle-ci, elle a un succès fou. Les gens s'agacent. Ouais, la bleue et la bleue aussi. Et la rouge. Personne ne veut y aller pour l'instant. Allez, on améliore la vitesse du coup. Donc il n'y a pas d'ouvriers spécialisés, hein. Les volontaires peuvent aller dans n'importe quel bâtiment. Je vais accélérer. File d'attente problématique. Bah oui, je vois. Comment tu veux que je résolve ça?
faut que j'améliore la vitesse des téléskis. Aïe, ça boude là. Voilà, amélioration. Validé. Ok, ok. Minute papillon. Alors, c'est trois fois rien, il me faut des pistes bleues et des remontées confortables. Une soupe bien chaude ne serait pas de refus. Ah bah, voilà. Comme quoi. Alors. On cherche. Inclinaison. Vitesse, voilà. Important. Je suis pas sûr de pouvoir remettre un téléski à côté, hein. Sera jamais. Oh. Et là, je vais être en plein dans la piste, ça va pas. Bon, écoute, ma foi, ça passe, hein. C'est pas hyper esthétique, mais si ça peut résoudre les problèmes de fil, puis j'y détruirai plus tard. Ouvrir l'écran skieur. Sélectionner un profil. Les vifs garnements, par exemple. En challenge, ils sont pas très challengés. Les premiers flocons, ils sont très contents. Mais confort à revoir. Accueillir 150 skieurs. Le double de ce qu'on a. Peut-être pouvoir arriver grâce à notre nouvelle remontée. Ça va aller, vous inquiétez pas. En plus, ça, c'est des doubles, hein. Je vais monter deux par deux. Il y en a quand même qui l'utilisent cette piste. Ah bah oui, voilà. C'est bien. Pou pou pou. Allez. Prends son temps, hein. Voilà. Involontaire. Voilà. Vous gagnez du temps là. Arrêtez d'aller sur cette piste là, enfin sur cette téléski ici vu qu'il y a ça. C'est plus proche, ils vont là, les petits paresseux. Cent cinquante skieurs, c'est un sacré nombre quand même. Faut qu'on double. Quand même des gens qui prennent les télésièges.
Nouveau volontaire, très bien. Piste en attente de dameuse. Ouais. Non mais pourquoi vous êtes encore tout pas content là? Là c'est mieux. Non, ils veulent leur téléski. Alors, emplacement libre de recherche. Portique simple. On peut encore améliorer la vitesse. Allez, moi j'y vais. La dameuse, c'est là. Hop. Deux fois plus. Et donc là, ça va plus vite. Apparemment. Ah bah moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Boum, boum. Il y a quand même des gens qui prennent mes télésièges automatiques. Alors j'ai pas plus de gens. Ah mais j'ai pas fait mes trucs de soupe, tiens. Mon bar à soupe. Bon ici il y a du monde donc ça peut être pas mal de mettre le bar à soupe ici. Ah bah voilà, ça se... petit à petit. Ça résout la file d'attente quand même. Brum, brum, brum. Allez, fini mon bar à sup. Bon, je suis content, mes pistes elles plaisent bien. À part la rouge qui a un petit bide, mais bon. J'ai pas assez de profil rouge, je pense. Bah, si, pourtant, c'est un truc que j'ai le plus. Enfin, c'est assez équilibré sur les trois. Les bleus kiffent. Les rouges, justement, ils sont pas très contents. Côté challenge, mais oui, mais ça, on l'a déjà vu. On a un souci d'adéquation. La piste, elle est... Ouais. Je fasse comment, on va pas passer au-dessus. Mais attends, je suis bête. Je peux faire ça aussi, attends. Je pars de là. Je vais faire du bordel. Hein. C'est con pour la fin là. Reste rouge jusqu'au creux. Ah voilà. Voilà. Tu choisis ici, tchoup ou tchoup. Et là, c'est encore plus rouge. Et ça t'arrête ici, tu peux refaire un truc un peu plus tranquille après. Hop, volontaire. Faut essayer que toutes tes pistes partent du même endroit pour évidemment éviter de tomber à court de volontaires. Ah bah voilà. Là, il n'y a plus personne. Et maintenant, il y a la queue monstre ici. Super. Ah mais franchement,
Je vous jure. Bâtisseur. Mettre un bâtisseur en moins, tant pis. Ah oui. Voilà. Ça, ça va plus vite déjà. Alors, ils attendent dans le bâtiment en plus là, boum. Ils se cognent. Oui bah je fais ce que je peux. Alors portique simple. Taux d'usure. D'usure. Ou alors attends, je fais une petite un petit refuge. Salon de thé, petit refuge. Allez, hop, petit refuge. Là, vous avez une nouvelle piste. Ça c'est quoi déjà? C'est rouge? C'est pas rouge. Début qui est rouge mais... Ah, ça va pas du tout. Pas très constant votre truc. Une petite piste ici. Un joli truc bleu, ce serait bien. Ah, c'est pas évident, hein. Voilà. 150, ah bah on y est. Ah, quelqu'un qui est pressé. Asseyez-vous, regardez vos skieurs. Vous ne trouvez pas qu'ils se ressemblent tous? Ah, il faut attirer de nouveaux profils. Ouvrir l'écran station. D'accord. Station. Station. Voilà. Débloquer 6 profils de skieurs. J'en ai débloqué un. Deux même. 500 skieurs. Wow, wow, wow. Tout de bijoux. Donc là, on va avoir une nouvelle piste bleue. Ça va être pas mal pour intéresser les bleus, justement. Ah, c'est vraiment très sympa comme principe. Décidément, ça quand ça veut pas. Putain, c'est pas évident, hein. Pas rajouter quelqu'un pour que ça aille plus vite aussi là. Bah non. Évidemment. Je peux déplacer un bâtiment une fois qu'il est construit. Mmh.
là oui, mais je peux arriver en plein milieu de... Ah, tu as niqué le truc là. Arrête de me proposer d'atterrir en plein milieu des pistes, ça a pas de sens. Pas évident votre machin. Voilà, il y a des gens qui suivent cette piste aussi, c'est bien. Aussi. Une bleue. Six profils de skieurs débloqués, waouh. Attends. Y a pas la piste noire. Ce vert débloque un autre bleu, ce bleu un autre vert et ce rouge du coup débloque un profil noir. Il va falloir du coup des pistes noires. Ah, par exemple, voilà du coup. Donc là c'est une piste noire. Alors là. Je me disais, mais oui, en fait, j'ai tout lancé la suite. C'est pas mal, ça, du coup. On peut faire dans l'ordre, hein. Ah, Atrée, c'est moins 20, ils aiment pas trop, quand même. Y a pas moyen... Allez, je veux que tu sois quand même assez haut là. On pourrait faire des belles pistes. Mais là, ça a pas de sens. Rajoute de la neige ici. Et là-haut. Ce serait génial d'ailleurs. Reviens deux secondes. Bien. Ou sinon, voilà, je pars d'ici hein, et puis j'essaye de monter encore. Essayons de trouver. Alors, j'ai envie de faire des trucs un peu foufou, profitons-en. Téléski en descente, bah oui, bah oui. T'es en descente là du coup. Ouais. Tu m'en kikines. Mais on a mis des améliorations pour l'inclinaison, sérieusement, tu fais pas d'effort. Regarde. Mais vous pouvez pas ne pas m'autoriser à aller là-haut. Comment... Ah. Ah. Ah voilà. Ah là on va pouvoir faire des trucs rigolos. Oh ça sent la piste noire. Voilà, comment c'est direct noir. Voilà.
Reste bien noir. Voilà, noir. Noir. Et du coup, comme après on va plus être noir, faut que tu restes. Rapidement, tu. Tac, tu conclus. Après, si je peux faire du bleu. Pas mettre du noir sur une piste verte. Allez, du bleu à la rigueur. Ah. Ah mais non, mais ça se transforme en rouge, là ça va pas. Là je perds mon public là. Pas de sens. Et en passant par l'autre côté, tiens. Ça fait quoi par ici? Ah mais non, mais... C'est assez bizarre la façon dont les pistes se construisent quand même. Rajoute des plateaux, alors je demande pas spécialement de plateaux. Escarpé, trop escarpé. On va voir si c'était trop escarpé. Toujours plus loin, toujours plus haut. Ah, j'aimerais bien relier les deux en fait. Il y a 200 personnes qui explorent mon truc bizarre. Là on est sur quoi? Du rouge. Tu vois là, c'est trop bizarre ce qu'ils nous font. En fait, surtout, c'est dès que... ouais. Dès que la neige est un peu spé, c'est un peu compliqué pour le... J'ai l'impression pour le jeu de... De bien aménager. Alors, attends, dans les constructions, j'ai bien eu des nouveaux trucs. Un petit refuge. Mettre tout en haut, peut-être. Je sais pas. T'es bien aligné avec le reste là quand même. Trop longue, trop longue. Mais non. Regarde là, tu me détruis la moitié du truc là pour pouvoir installer ton... C'est trop bizarre. Merde, t'as enterré le bâtiment. C'est chelou par moment le jeu. Mais je peux faire une nouvelle piste.
Alors, ça c'est bleu. Alors, comment je la fignole cette piste? Bah, déjà, je suis obligé d'être un petit peu de rouge ici, je pense. Je peux faire une piste rouge après. Ou noire. C'est pas simple, hein. Même si je ne suis pas trop ski, ce jeu donne envie d'aller à la montagne, nous dit Jonah Brand. C'est vrai que... C'est bucolique. Bucolique de montagne. Je trouve que c'est pas simplissime hein, pour juger de la difficulté des pistes. En fait, comme t'as très peu de prise sur le dénivelé, voilà, tu vois, là, je vais te faire du rouge, du noir, même. Et là, je pars en bleu pendant un long moment. Faut vraiment bien observer le... Bien observer la façon dont le pas le climat, le relief est fait. Regarde là, tu vois, je suis en bleu sur tout le long, ça a aucun intérêt. Je commence sur du noir. Ah, sérieusement? Tant pis. J'aime bien ce côté sinueux, tortueux. Voilà, voilà, hop. Autre piste bleue. En partant d'encore plus haut. Hop, on va ouvrir le refuge. Et je vais en reconstruire un à côté. Un salon de thé! À très moins 15, non mais t'es ouf. C'est trop mignon un salon de thé. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est embêtant le fait qu'on puisse pas modifier le dénivelé. Installation fermée, laquelle? Mince. Mais la piste n'était pas encore prête de toute façon. On commence à galérer sur le nombre de bâtiments là. Je vais remettre un bâtisseur supplémentaire. Voilà. Et ouais, bah oui, là ça râle, bien sûr que ça râle. Mais c'est pour ça que j'ai ouvert une autre piste ailleurs. En fait, il faut partir d'un point, et de ce point-là, essayer de faire les 4 types de pistes possibles. Mais c'est difficile, quoi. Mais c'est assez rigolo, franchement, le principe est assez cool. Et c'est vrai que le fait d'être complètement déconnecté de l'argent, c'est pas forcément dérangeant pour un jeu de gestion. Il y a des grands travaux, il y a plein de trucs de prévu. Donc là, c'est une piste noire, normalement. Hein. Voilà, piste noire. Alors que ça s'équilibre du coup. Hein. Ok, il y a des gens qui partent là-bas. J'accélère un petit peu la vitesse de remontée.
Alors, spécialisation. Ah! Oh! Faut que je choisisse. Toujours plus loin et toujours plus haut. Et là, c'est... Alors, augmentation de la longueur de la pente max, la vitesse de fonctionnement. Ah ouais, d'accord. Ah, purée, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Faut faire des choix, quoi. Je veux pas le faire maintenant. Je veux pas le faire maintenant. Ah, je veux pas le faire maintenant. J'ai choisi. Mais j'ai même pas. J'ai cliqué au hasard. Je voulais voir si je pouvais genre ouvrir. Non. Bon. Pousser les installations au maximum de capacité. Bon bah, j'ai choisi pour. J'ai choisi. C'est sympa ça. C'est sympa. Spécialiser le. La recherche. Capteur de friction, taux d'usure. Vitesse. Petit fast food. Voilà. Parce que là, il faut que ça pulse. Tu vois ici. Ouais. Pas d'amélioration active. Ah, ce sont les volontaires, d'accord. Attente de dameuse. Soin. Aïe aïe. Attends. Ah, les pisteurs. Les pisteurs, ils sont là. Hop, on va éteindre plus. Trois files d'attente problématiques. Ah, victime de mon succès. C'est terrible. Bah, c'est assez sympa en tout cas comme jeu. On va s'arrêter là pour ce premier épisode, cet épisode de découverte. On se refait très bientôt. J'aime bien l'aspect feel good en tout cas de pour un jeu de gestion. C'est vrai que c'est très très détente. On pense vraiment à optimiser plutôt qu'à bien gérer le budget. Donc ça c'est pas mal. Après, c'est pas évident du tout dans cet aspect de gestion de l'espace. Mais en même temps, voilà, c'est leur. Je pense que la proposition du jeu repose aussi beaucoup là-dessus. Le fait qu'on n'ait pas de prise du tout sur l'aménagement, ça complexifie un petit peu. Le tracé est parfois un petit peu complexe. Faudrait pouvoir niveler un petit peu au moins pour ajouter de la route, voilà, par exemple. Mais bon. Mais non, ça fonctionne plutôt bien hein, de base. Donc voilà, accès anticipé. Donc sujet à amélioration bien évidemment. Mais déjà la formule de base est assez intéressante. C'est Snowtopia en tout cas. On se retrouve bientôt sur ma chaîne pour de nouveaux épisodes. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner et consulter mes autres let's play de jeux de gestion. Planet Zoo, Planet Coaster, Roller Coaster Tycoon et tant d'autres. Allez, à bientôt dans la neige. Ciao.